Bonjour et bienvenue, c'est Jérémy. Je suis ravi de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Ici en Croatie, c'est notre dernier jour. Je me dirige en direction du petit déjeuner, comme tu peux le voir, pour simplement me restaurer et me préparer à partir en direction aujourd'hui de la Slovénie. On va traverser un road trip d'un peu plus de 6 heures de route durant la journée. Mais là, avant tout, ce qu'il faut, c'est que j'aille au petit déjeuner pour aller me restaurer, finir l'editing de la vidéo qui doit sortir demain. Et après, on prendra la route. Good morning, Mr. Jeremy. Le petit déjeuner, c'est le moment le plus important de la journée. Et tu peux voir que franchement, au méridien, le petit déjeuner, ça rigole pas. On se retrouve avec Andrew pour ce presque cinquième jour. On est en train de finir la cinématique que tu as pu voir dans le vlog d'hier. Franchement, j'ai la chair d'ampoule, frérot. Bon, petit déjeuner, check. Editing vidéo, check. Là maintenant, je suis en train de l'uploader, j'en ai pour une trentaine de minutes, donc il faudra que je fasse un partage de cours. Et on va prendre la route aujourd'hui. Donc on va remonter en fait toute la Croatie ainsi que toute la Slovénie pour un gros road trip d'un peu plus de 500 km. On a à peu près, je crois, 6h, 7h de route sans la pause déjeuner, donc autant te dire qu'aujourd'hui on va vraiment rouler. Par contre, ce que je te propose, c'est qu'on va se retrouver. Oh, attends, on retrouve la famille. Moyen. 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 Comment vous dites? Moyen. Moyen. Moyen, mes amis. Ça va? Ça va et toi? Bien, super. On est prêt. Prêt? Moi aussi, je suis prêt. Parce que sinon, je vais me faire taper par Nadia et il ne faut pas. Les Bulgares, ils arrivent, ils te regardent avec un regard en mode comme ça, frérot. Je te jure, tu te décomposes direct. Du coup, je vais essayer de télécharger ma vidéo et on se retrouve tout à l'heure sur la route. It's so hot. Il nous a dosé. Et nous voilà tout juste arrivés en Croatie. Et voilà, on est arrivé en Slovénie. On est maintenant à une centaine de kilomètres de l'arrivée finale. Sur ce, on se retrouve, on reprend la route à l'instant en Slovénie et puis on se retrouvera tout à l'heure.
On vient de croiser une chèvre sur la route. J'ai pas eu le temps d'arracher la caméra. Une chèvre sur la route en Slovénie. Normal. Non mais... Pourquoi ? Et nous voilà tout juste arrivés à l'hôtel Intercontinental, hôtel 5 étoiles, ici en Slovénie. Je pense que les gens n'étaient pas prêts à nous voir arriver. Ok. Non mais non. Et en fait on va rentrer la voiture juste là. Donc dans cet ascenseur puisque le parking est en sous-sol. Arrivé à l'hôtel Intercontinental et regardez-moi ça, c'est original. On va parquer la voiture dans un ascenseur. Là. Vroom vroom. Entends rien. Donc voilà, on est dans un ascenseur, un concept un peu original. Pour mettre la voiture au parking, c'est Philippe qui est au volant et du coup on va garer la voiture. Je suis content, j'ai fait ma photo. Allez, badass. Photo de miniature. Bim. Voilà, ce sera la photo de la miniature sur YouTube. Philippe. Ouais. T'as déjà garé une voiture dans un ascenseur? Non, première fois. Première fois? Première fois en Slovénie et première fois dans un ascenseur en voiture. Ok, c'est... Sorry. No worries. I was here trying to film it. Oh yeah? You want to film a new one? You'll show me the pictures afterwards. If you want to film, go ahead. No, the voice. Ah, ok. Later. Go ahead. Are you ready? Yeah. Go ahead. On a l'ascenseur, il a fait comme ça. Il a fait comme ça l'ascenseur, il a fait hop. Ok, thank you. Go ahead. Bye. Il fait au moins 50 degrés dans la voiture. Ouais, c'est flippant, hein. Je comprends pas ce qui se passe. Vas-y, fais-moi un rêve. Non, l'ascenseur. Abuse pas. Vas-y, un rêve dans l'ascenseur. On va s'intoxiquer, gros. Là. Oh là 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 là.
dirait une espèce de gumballerie. Allez, on vient tout juste d'arriver. Je laisse Fippe nous montrer la chambre. Et bienvenue dans notre très belle... Ouf. Ah oui, j'étais pas prêt là. C'est très mignon. Très spacieux. Un écran qui sort de là-dessous là. Waouh. Ah ouais, effectivement. Bon bah voilà, très très bel établissement, hein. J'adore la déco. Oh, c'est ouf. Moderne. C'est super moderne. Donc sur ce vlog là, bah, j'avais envie de vous présenter un peu les différents hôtels dans lesquels nous sommes allés. Là sur celui-ci, je vais prendre un peu plus de temps que d'habitude. Et je vais faire un peu le tour de toutes les infrastructures parce qu'on est quand même sur un intercontinental qui est à 5 étoiles. Donc c'est quand même un super hôtel. On va vous emmener maintenant au bar de l'hôtel. Hop, on va aller en direction du rooftop. Bon bah nous voilà au rooftop de l'hôtel. C'est ici même que nous mangerons ce soir. Ouh, waouh. Hello. Hello. Oh waouh. On a vu directement ouverte sur la cuisine. Autant dire que là c'est vraiment... Là j'étais pas prêt. Et donc là on a un très très beau rooftop. Tu vois, tu as une vue panoramique assez impressionnante. Alors je suis désolé, j'ai pas appris le nom de la ville. Et du coup je peux pas te dire. Et on va aller retrouver les amis qui sont en train de chiller. Waouh, regarde. Ça, c'est assez ouf. Bonsoir tout le monde. J'allais toujours avec mon sac de pute là-bas. Bonsoir. Bonjour. Tu ne tapes pas. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as froid? Non, j'ai plus que ça. J'ai plus rien, j'ai plus de t-shirt. Bon. Du coup, bah, pull, t-shirt à manches longues et veste. Ah, tu veux. Eh oui, Flo. Hein? Bah, ouais. Parce qu'en fait, je trouve que ça fait pas. Ça va, vous avez bien roulé? Nickel. Pas trop fatigué? Ouais. Oh, hello. Bon, la nouvelle vidéo est en ligne. Direct. Ouais, ouais, si vous voulez voir, on a Jérémy Lovecar ici même présent. Faut aller le follow, tu mets un petit pouce bleu. C'est quoi ta phrase déjà? C'est ouais, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et après, tu dis quoi? Ça encourage toujours. Voilà, et ça encourage. Merci. Voilà, il faut aller le suivre, hein. Vraiment, suivez-le. Tu fais des belles vidéos. C'est la guerre! Ratata! Cheers! Cheers! Santé! 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 Santé, cheers! À Ljubljana! C'est le nom de la ville? Ouais, c'est ouais. Ça, Ljubljana. Santé à Ljubljana. Donc voilà, je connaissais pas le nom de la ville, merci Monique. Comment tu l'as prononcé? Ljubljana. Ok, à tes soins. Donc voilà, c'est Ljubljana ou Ljubljana. Nadia, cheers. Raphaël, cheers. Santé à tous. Cheers. Il faut que tu demandes à Raph où on est aujourd'hui parce qu'il avait dit pas Ljubljana, il avait dit je sais pas quoi là. On est à Ljubljana apparemment. Ljubljana, je sais pas ce que. Ouais, je te rassure, c'est comme Ikea, tu sais, tu connais pas les modèles. Mais tu sais qui est. C'est le même concept. Bon, bah nous voilà arrivés désormais dans le rooftop. On est calé à la table et je vais t'inviter juste à découvrir ce super repas qu'on va avoir ce soir. Apparemment, il y aura des pâtes à la truffe. Un steak de ribs et de l'agneau avec des artichauts de Jérusalem. Waouh. Donc ça, c'est le menu. Je connais pas tous les termes. Donc il y a des Istrian Foodzi. Je sais pas ce que c'est. Et le Prek Murian. Je pense que ça va être sûrement un gâteau spécial... d'ici, bah tiens, les fusils, ça c'est les pâtes, donc elles sont là-bas, donc elles vont être sûrement agrémentées de truffes. Voilà, du coup, donc là,
C'est un concept très intéressant ce restaurant parce qu'en fait, tu vois, on se retrouve avec la cuisine qui est en face de nous. Et du coup, tu vois là le chef qui est en train de... Tu le vois là. Voilà, je pense que ça, c'est le big boss. Et t'as son collègue à côté, son second, qui est en train de saupoudrer de truffes l'ensemble des plats. Autant te dire que ça, quand ça va arriver, je pense que ça va vraiment... Moi, j'adore la truffe. Et là, ça va être un vrai régal. Donc ce soir, c'est un vlog complètement différent, hein, puisque là, tu as pu assister au début le road trip où on est parti de la Croatie jusqu'à la Slovénie. Notre arrivée à la Slovénie, et là, on va avoir un moment où je vais plutôt te montrer le type de resto dans lequel on est amené à aller. Voilà, tu as tous les membres de Drive Deluxe qui sont là. Donc, toutes les personnes qui participent. Donc on est dans des établissements où on est quand même extrêmement choyé et ça c'est plutôt cool quoi.